et retrouver. Bah moi, je partage pas cette position parce qu'au final, ces constats sont déjà, ils sont déjà publics, hein, puisque vous l'avez noté tout à l'heure, on a rempli un papier de position de 20 pages qui s'appuie que sur des documents publics et des constats publics. Et donc, c'est la preuve que finalement, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Et puis, vous parlez de la confiance. Moi, je pense qu'au contraire, une commission d'enquête parlementaire, c'est tout sauf un élément de confiance. C'est si vous êtes un parent, que vous habitez dans la Riviera ou dans Chablais et que vous devez amener votre enfant à l'hôpital pour des soins, est-ce que vous allez vraiment vous rendre dans un établissement qui est sujet à une commission d'enquête parlementaire? Moi, je pense que c'est typiquement le genre de truc qui va éloigner la patientèle de l'hôpital, alors que la qualité des soins n'est précisément pas remise en cause. L'hôpital a fait un travail formidable pendant cette année de Covid en prenant soin des patients qui étaient les plus touchés par la maladie, tout en maintenant aussi toute l'activité hospitalière. Je pense que maintenant, il faut que cet hôpital se tourne vers l'avenir, construise pour un retour à l'équilibre financier et maintienne le lien de confiance qui existe avec la population.